Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat, Madame et Gabriel, pour une partie du Seigneur des Anneaux, des Chevaliers du Zodiac. Si tu veux. Voilà, parce que j'ai fini une partie il n'y a pas longtemps. Donc, on a préparé nos decks, on a mélangé l'énorme paquet de cartes, j'ai Shiryu du Dragon, Madame a... Yoga du Cygne. Et Gabriel, tu as... Chêne d'Andromède. Voilà. Yes. Moi, j'aime bien. Alors, chêne... Si je blesse un Shiryu... Shiryu, si je blesse un Shiryu de ma main, je peux piocher une carte. Et Yoga, il a quoi déjà mis? Mise en jeu, si au moins un autre Yoga combat à ses côtés, piocher une carte. Ah, cool. Et toi? Si Chêne utilise son cosmos pour acquérir un personnage du terrain, piocher une carte. D'accord. Ok. N'importe quel yoga? Je pense. Hein. Oui. Ouais, bah, tu peux remélanger ton paquet du coup. Oui, ouais. Bon, après, il y en a 9. Il y en a 9 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ma main est prête. On laisse commencer madame. On laisse commencer ta mère. Allez, alors, on a un chevalier d'or. Death Mask du cancer. Ensuite, on a Chou à la Closse Céleste, Spica, Nachi du Loup, Giga et Geki de l'Ours. Geki de l'Ours. Est-ce qu'il y a des effets d'arrivée? Le joueur actif place Giga dans la défausse du joueur de son choix. Ouais, bah c'est toi direct. Ah. Regarde. Ouais, si c'est mieux, vas-y. Là, il n'y a personne qui est en avance sur personne. Allez. Youpi, c'est moi. Dans ma défausse, c'est ça? Allez, okay. Je crois bien. Voilà. Je pense pas qu'on pioche. Non, je crois pas. Combien de cartes? 5? 5, oui. L'armure. 4. Donc là, tu fais ce que tu veux, mais pour deux, tu peux prendre quelque chose et pour deux, péter pour faire. Ouais, c'est ce que je comptais faire. J'hésite entre Spica et. Je prends ça. Ok. Et du coup, j'en détruis deux. En fait, le mieux à chaque fois, c'est qu'on les mette quand. Pour faire le décompte. La destruction ouais. Ici? Sous le... Ouais. C'est ça? Ouais. Bref, fais ton armure aussi, du coup. Pourquoi? Dans la défausse. Parce qu'il faut la défausser pour... Oh là là, t'as oublié? Oui, j'ai... Allez, Gab. Oui. Alors, attends, d'abord... Attends, du coup, on enlève... Hop. Une flamme au compteur qui s'en va. Alors, qui t'a pioché, là? Ishi de l'Hydre. Guilty, ouais, et... Ban du petit lion. Il n'y a pas d'arrivée. D'accord. Allez, Gab. Avec l'armure, j'ai pris deux pour un ajouter un arme à défaut. Ouais. Et pour un, j'utilise les deux, je prends lui. T'as pris Spica? Uh-huh. C'est bon? Mm-hmm. Il n'y en avait pas un qui disait qu'on était obligé de l'acheter là pour. Non. Enfin de le combattre. June du caméléon. Aucun personnage ne peut être soigné tant que June du caméléon est sur le terrain. Alors là, j'ai mon armure. Allez. Prochaine main, je vais avoir 5. Donc pour 3, je vais prendre June. Voilà. Hop. Et je garde ma dernière carte en main.
T'as pioché quelque chose, hein? Alghetti d'Hercule. Et pas d'arrivée? Non. Ok. Oh là, mais il y a une armure aussi, là, l'armure du cancer, Edith, c'est là? Non. Ok. Tu peux me dire un peu, gars, parce que d'ici, moi, je vois pas. Armure du cancer, défaussé, révélé les trois quarts de votre pioche. Un adversaire blesse un personnage ainsi révélé. Puis récupérer en main les autres cartes. C'est quoi ce big mac? De votre pioche, on blesse un personnage. Puis récupérer en main les autres cartes. Je prends ça pour 5. Hmm. Bon. Mm-hmm. Eh ben. Tu prends tout ça pour 5? Moins un. Et... Ouais. Ok. Hop là. Jamian du corbeau et Camus du verso. Ah, Camus. Il n'y a pas une arrivée là? Ah, je l'aimais bien lui. Yoga peut acquérir Camus du verso pour un coût de 8 cosmos. Ah, d'accord. D'accord. Et on pioche. Ah, Pop. Pop et tous les chevaliers d'or retirés du jeu sont mélangés dans la réserve. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il n'y en a qu'un. Oh là là, ça m'a obligé à... pour deux cartes, ça a mélangé tout ça. Hop. Voilà, le bon paquet. Je joue à ta place maintenant. Bon. De toute façon, on, voilà. C'est fait. Hop là. Voilà. Paf. Alors, ben voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a rien à 3 forcément. Bon, ben pour 2, je combat battre du petit lion. Pour 2 et mon armure, je fais un chiru et je garde un chiru dans ma main. Il faut que tu enlèves deux. T'as repris tes deux chirules là. Ah oui, je l'ai mis là, pardon. T'as pas fait la même bêtise tout à l'heure? Non, non. Bah non, c'est. Tu l'avais pas fait? Non, je l'ai pas fait encore. Enfin. Oh bah, je surveille. Peux parler. Hein. Ouais. Alors. Dokra. Deux. Et Marine de la Lune. Mmh. Bon. Je peux prendre une Dokra pour 4. Voilà, hop. Et. Hop là. Il n'y avait pas un effet d'arrivée? Non. Ah, un chevalier mu du bélier. Blessé, récupérez en main une armure présente dans votre défausse. Okay. Et signe noir, si yoga combat signe noir, son coût est réduit de 2 en force. C'est à Gabriel. Clairement, je défausse, je comprends bien. Enfin, c'est pas que tu défausses, c'est que tu détruis. Ouais. Je fais la, ouais, pas la même bêtise que moi. Voilà, et il te reste 2. Mmh. On va les prendre? Non. Ok. Je défausse, toi. Alors, paf, on avance, et on a Geist, chevalier fantôme, qui a 2 de force, 1 de 1. Chaque joueur détruit un personnage en main. Quoi, l'arrivée? Ouais. Aïe. Oh non. Bon, j'ai la charrue de bon. Détruit? Oui, détruit, t'as bien entendu. Ah.
Alors, je vais prendre, du coup, on va battre avec le Jamin Yann du Corbeau pour 4, plus qu'il vaut 1 de moins. Voilà. Du coup, tac, 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 et on a Capella du Cocher, achète notre chevalier d'argent. Voilà, si on le détruit, on peut récupérer, réduire le coût d'un personnage présent sur le terrain de moins 3 en force. Pour un minimum de 1. Voilà. Alors, si je combats lui, il me coûte que 2, c'est ça? Oui. D'accord. Te coûte 2 de moins, c'est ça? Mmh. Ouais. Mais oui, avec yoga, attention. Je défausse ça. Chaque adversaire blesse tous les héros de sa défausse. Les héros quoi? Avec le triangle. Orange, j'en ai pas, moi. Ouais. Un chevalier d'or qui quitte. On décale tout. Marine de l'aigle. Ah, encore. Chaud à la classe céleste. Aucune arrivée? Non. Non. Ok. C'est à toi. Oui, c'est moi qui viens de jouer, donc c'est pas. Pour 5. Pourquoi j'ai 5? Ah. Pourquoi t'avais que 4 cartes dans ta main? Parce qu'il a blessé. Un héros de ma défausse. Non, t'as détruit un personnage de ta main. Ouais. C'est l'effet de lui. L'effet d'arriver. Détruit un personnage de votre main. Tu l'avais fait aussi. Ah, mais le tour là, d'avant. Tu l'as recoché, oui. C'est comme tu l'avais pioché, toi. Ah, d'accord. Donc c'est normal que j'ai 5 cartes. Oui. Oui, tu viens de t'as joué avec ce tour-là. Oui. Donc t'as pris Gaze, là, c'est ça? Oui. Hop. 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 Et on a Agora du Lotus. Quand il est vaincu, blessez tous les personnages utilisés pour le combat n'ayant pas de cosmos. Et l'armure du taureau, défaussée, un personnage vert ou bronze en jeu gagne plus 2. D'accord. Alors. En jeu, ça veut dire quoi? Ben, qui est sur le. Que tu as posé en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à 2? Oui, il y a quelque chose à 2. Alors lui, c'est quoi? Les chevaliers combattants aux côtés du chou ne peuvent pas être blessés. Ok. Alors, je vais pour 2 combattre lui, défausser mon armure, détruire 2 héros pour faire. Pour trouver un chevalier de bronze, clac, clac, clac. Et voilà, on enlève celui-ci. Un peu dans le sens inverse. Bon, c'est pas grave ça. Leda, ah, qui va avec Spica. Il y avait quelqu'un qui avait pris Spica tout à l'heure. Je crois que c'est Gabriel, ouais. Pas d'effet d'arrivée. Et Guilty à nouveau.
pas d'effet d'arrivée. Non. 1, 2. 1, 6, 2. Si au moins un autre yoga combat à ses côtés, je fais une carte. Oui, mais tu vas prendre quelque chose, bien sûr, avec. Hein. Oui. Ah. Donc, normalement, tu es censé le présenter devant ce que tu vas faire, en fait, déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, lui, tu... Quoi? Pourquoi? Tu fais quoi, là? Tu les mets où? Ben, un autre K6. Non, pour l'instant, t'as rien. Tu es obligé de les... Tu peux pas les poser sur la table et dire banco. Tu dis ces deux-là, par exemple, je vais combattre lui. À ce moment-là, les deux sont là, t'en pioches un et après, tu utilises... Ah, parce que des fois que je piocherai pas une carte qui me ramène ce qu'il faut, oui, c'est ça? Oui. Ah, okay. Et tu peux échouer un combat, du coup, okay, si t'as pas assez de points... Du coup, elle sait ce qu'elle pioche. Non. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, déjà. Donc, a priori, c'est... Oui, voilà, tu le sais. Enfin... Oui, mais ils ont tous des trucs, ce que j'ai dans les mains. Ça dépend. Il y en a, y a que mon armure qui a... Bah, t'aurais pu piocher, par exemple, ton... si t'avais pas eu ton armure. Oui, donc, mais c'est là... Pas... Non, non, c'est la règle, c'est la règle. Là, je savais que j'avais un... Oui, non, mais c'est pas grave. Non, non. Non, bon. Mais je vais prendre elle, alors. Voilà. 2, 3, 4, 5, et puis 6. Voilà. Ok. Hop là. Ushio à la clotte marine. Voilà. Et Cassios. Pas d'effet d'arrivée. À toi, William. Pour 4, 2, 6. Ah, 3. 4, 5, 6. Ben ouais, tu... il valait que 5. Hein. Il vaut que 5. Ouais, mais je peux pas faire autrement. Oui, mais tu blesses. Oui, je sais. Bah, tu pouvais garder Tu t'en gardes, t'es pas obligé d'en. Bah, je me défausse. Hein. Tu pouvais pas en garder un pour soigner ton. Bah, oui. Tout de suite. Ton chum. Bah, oui. Bah, dans ce cas-là, je vais soigner lui. Pas... Pourquoi il est blessé, lui? Non. C'est blessé tous les personnages utilisés pour. Le combat. Ah, lui, là ouais. Ces 5 là. Ah ouais. Qui n'ont pas de cosmos. D'accord. J'utilise ces 5 là, et puis je soigne un comme ça, tu vois. D'accord, et tu laisses ton Shun blessé. D'accord. Ouais, c'est vache, quand même. Hop. 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 On a quand même... Bon, t'arrêtes de Agora blesser. Du Lotus. Ta place sur la table. Hein. Encore qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui s'est décalé là, non? Quoi? Bah non, c'est bon. On a... Je devais pas virer là. Non, t'avais pris le dernier, là, c'est mais ça? Il avait pris celui-là, donc il n'y a rien à virer. Ok. Non. Alors, lui là-bas, il me plaît pas, donc je défausse, retirer un personnage présent sur le terrain, puis révéler à sa place la première carte de la réserve. C'est lui là qui est casse-pied là? Il faut blesser les trucs. Obligé de l'enlever, il est là. Ouais, on va voir qui rapporte 3 lui. Un personnage. Je vais virer lui qui est cher. Et je vais mettre Germaine du Corbeau à la place. D'accord. Alors ensuite, ben, j'ai pas grand chose moi. J'ai 3 cosmos ou 3 de force. C'est pas terrible. Hein. J'ai vraiment que 3 cartes à mélanger. C'est terrible. 3 cosmos. Pour 2 cosmos, je vais combattre, enfin je vais acquérir lui.
avec deux cosmos. Du coup, je peux le prendre directement dans ma main. Pour deux de force, je vais prendre 8 et ça sera bon pour ce coup-ci. Pourquoi tu enlèves ? Ah oui, parce qu'elle était sur là. Alors, on a Spartan. Arrivé, chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Daishi à la Close Terrestre. Hop là. Et l'armure du Capricorne. Si on la défausse, toutes les cartes de base, Chevalier de Bronze et Losange, je sais plus, présentes sur le terrain, sont retirées du terrain, puis compléter le terrain. Là, ça doit être les Chevaliers d'Argent. Non bon. Ok. À toi. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Les chevaliers combattants à côté de Shaw ne peuvent pas être blessés. Donc, lui, il a du bleu, lui, il ne peut pas être blessé. Ah, mais lui, oui, c'est ça. Alors, tant pis, je blesse les deux. Oh. Ah. Il y a des bidules. Ah. Ok. Hop, on a Arachné de la Tarentule. Vaincu, vos adversaires défaussent toutes leurs armures en main. Et Phaéton. Mise en jeu, détruire un personnage de votre main, puis piocher deux cartes. Oulé. Bon, ok. Pour 3 et 2 cosmos, je prends ça que je mets en jeu. Je vais défausser. Et pour 1, j'achète lui. Alors, qui on a ? Ptolémée de la Flèche. Arriver, retirer un de l'horloge. Ok. Ban du petit lion. Ah, on a déjà eu lui. Ouais. C'est à moi ? Oui. Alors. J'ai potentiellement 5 de force. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? 5, 8. Blessé chacun une carte Athéna de sa main dans la réserve. Et vous deux. Niveau 1 et 1. Niveau 6. 3 et 2. Alors lui, il fait quoi déjà ? Chaque adversaire blesse un chevalier de sa main. Ok. Bon. Bah pour 5, je vais prendre lui. Hein. Alors, qui c'est ? Misty du Lézard. Arrivé, chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Oh là.
une autre Ushio à la classe marine. Ça fait quoi ça? Ushio gagne plus 1 de force pour chaque héros combattant à ses côtés. Oh. Oh. Quand on paye avec du bleu, on peut s'en servir tout de suite, c'est ça? Oui. Alors, pour un bleu, je prends lui. Ah, où je ferai des coupes, hein. T'inquiète pas, hein, je ferai des coupes en montage, parce que quand ça dure 2 heures. Hein. si j'ai une armure en main, que je veux la défausser pour faire son effet. Je crois. Je sais plus. Si tu joues celle que ça fait défausser, celle déjà jouée. Oui, mais si on, ça c'est si on la pose sur le terrain. Ouais. Mais est-ce qu'il y a besoin de la poser sur le terrain pour faire l'effet défaussé? Je crois pas. Hein. De quoi? Je pense pas. Mais... C'est quoi la question? Les armures. Eh ben. À votre tour de jeu, vous ne pouvez jouer qu'une seule armure à la fois. Jouer une nouvelle armure fait défausser celle déjà jouée. Une armure jouée est placée face visible dans son espace personnel. Une armure peut être utilisée pour une seule action parmi acquérir une carte de terrain et activer l'effet activation indiqué. L'armure reste en jeu tant qu'elle n'est pas utilisée. Il faut la jouer du coup pour faire son action. Bah ouais, je pense. Donc si tu la joues, ça veut dire que tu défausses pas. Bon, alors, le coût du chevalier que Daichi affronte est réduit de moins 1 pour chaque héros joué à ses côtés. Mmh. Donc je peux jouer là. Ouais. Si je rajoute lui, ça fait moins 1, c'est ça? Ouais. Ça fait plus 15. C'est comme si t'avais 3. Hein? C'est comme si t'avais 3. Non, moi, un bleu. Oui, mais... Ah, bleu? Oui. Mais y'a pas de bleu. Hein. Quoi, y'a pas de bleu? C'est qui que tu veux prendre? Bah, le bleu, là. En fait. Mais c'est qui que tu veux prendre? Lui. Ah voilà. Pour deux bleus. Oui. C'est bon, ça fait ça. Bah ça sert à quoi du coup ton truc là? Ah sinon. Oui, ça y est, oui, ok. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est rentable d'abord? Pas vraiment en fait. Ça rapporte un. Ça rapporte rien du tout de me faire tiens. Bah, tu peux l'utiliser dans la foulée, mais bon. Ouais, mais comme ça ne fait rien de spécial. Tu peux détruire des personnages comme ça pour faire l'effet des armures ou pas? Ah non, s'ils sont blessés, ils sont blessés. Si c'est votre main. Alors je vais faire ça. D'accord, comme ça je peux prendre lui. Mmh. Tout de suite. Oui. Voilà. Tu peux l'utiliser pour lui, hein. Pour 3, je prends lui. 3 de force, oui. Ouais. Et je soigne lui. Bon. Ok. C'est bon. Oui. Pourquoi il y a quelqu'un là-bas? J'ai dû la tirer, non? Je vois. Ah non, c'est moi qui. Je sais plus. Bah, elle est défaussée, du coup. Tant pis. Non, je pense pas que quelqu'un. J'ai dû la décaler. C'est bon? Je sais pas. Alors, on a Geki de l'ours. On a Spartan. Non, elle était là. Ah, mais je l'ai décalé. Il me semble.
Je vais décaler mes mains alors. J'ai bu de la licorne. Oui, non, mais elle était censée être là. Oui, du coup, quand je l'ai remise là. Non, mais j'ai... non, elle doit être là maintenant. Non, c'est trop tard. Sinon, d'accord. Je l'aurais prise. À 3. T'es sûr? Est-ce que je l'ai, moi, celle-là? Parce que j'en ai pris une comme ça, moi. Bah, une. Tu l'as prise ou autre tout à l'heure? Non, je crois pas. C'est la mienne alors. Acheté quelque chose avec alors à un moment et tu l'as laissé là, oui. Ouais, oh là là. Ouais. Alors, si t'as triché dans la vidéo et que tu devais gagner, c'est le deuxième qui gagnera. D'accord. Ok. Allez, suivant. Du coup, tac, hop, je détruis cela pour. Ouais. On vous l'avait pas dit l'effet de celui-là. C'était quoi? Chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Ah. Arrivé, chaque joueur détruit l'un de ses personnages blessés, ça m'a fait. Donc on peut blesser un personnage pour piocher une carte? Ouais. Bon, moi ça m'intéresse pas. Mélangez les cartes de votre côté fausse avec votre pioche. Pourquoi tu le veux? Celui-là, oui. Pourquoi tu le veux? Tu viens pas de l'acheter là? Non, c'est pas celui-là que je viens d'acheter, c'est lui. Ah, d'accord. Oh. C'est bon? Mm-hmm. Hop là. Alors, on a pas d'effet d'arrivée. Django, chevalier noir, qui permet d'avoir plus 1 pour chaque chevalier noir de noms différents dans votre deck. Et enfin, une armure d'or, l'armure des poissons. Si on la défausse, un joueur blesse tous les personnages de sa main, puis pioche autant de cartes que de personnages ainsi blessés. C'est à moi ? Alors, pour 3. Pour 3, je vais prendre 2. Ah. 1, 2. Bon, pour 3 cosmos, je vais prendre lui du coup direct dans ma main. Et ensuite pour 3, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Pour 3, je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop là. Alors, on a Phénix noir. Comme il n'y a pas de phénix parmi nous, son effet n'est pas terrible. Chevalier de cristal. Oh, lui, il est bien pour Yoga. Yoga gagne plus 1 de cosmos lorsqu'il est joué aux côtés du chevalier de cristal. Et mise en jeu, piocher une carte, puis défausser une carte. C'est moi ça? Ouais. Et on a Jackie qui a pour. Voilà. Dès qu'on a beaucoup de cartes détruites, il rapporte un point de victoire supplémentaire. Par groupe de 5 cartes. Et si on le détruit, on place dans votre défausse une de vos cartes détruites. Ah ben c'est pas mal ça. Je pense que Jackie, il tape dans l'œil de Gabriel. C'est à moi? C'est à qui? C'est à moi. 2, 3, 4, 5. C'est à toi alors. Après, dans ce jeu, il paraît qu'il y a des chevaliers d'or aussi. Alors,
Flamme de quoi? De cosmos, oui. Du coup, je peux la prendre dans les mains. Oui. Ok. Du coup, je vais essayer d'avoir... Donc, je pioche. Ouais. Ah bah non, j'ai pas besoin en fait, je suis bête. Il faut 4. Hein. Mais bon, ça t'empêche pas de piocher quand même si tu veux, quoi. Selon ce que t'as, ça peut être intéressant. Fais tourner ton deck et... Ah, je peux la défausser si ça me plaît pas, c'est oui. Ça Tu peux la jouer à blanc, ça s'appelle. Ou s'il y a un effet intéressant dessus, genre blesser tous les adversaires, blesse un chevalier de leur main, ou... ça peut être intéressant. Quoi. Ok. Ah, chevalier d'or. Shura du Capricorne. 9. Et Albior de Céphée. Shen gagne plus 1 en cosmos lorsqu'il est joué aux côtés d'Albior de Céphée. Et si on le défausse, récupérez en main un personnage présent dans votre défausse. Oula, pas mal celui-là aussi. Ben dis donc. T'en as 2 intéressants pour Shen là. Défausse. Je me suis là en jeu. Je soigne lui. Pour 3, je prends Jackie. C'est diffusé quoi lui? Si, par rapport à Sean, il est intéressant, je crois, non? Okay. Ah, par rapport au fait qu'il a beaucoup de cartes défaussées. Plus 1 PV par groupe de 5 cartes détruites, c'est pas terrible. Placez dans votre défausse une de vos cartes détruites. Alors, Pégase Noir, donc il n'y a pas de Seiya, c'est pas terrible. Et Signe Noir, si Yoga combat Signe Noir, son coup est réduit de 2. Donc il ne faudrait plus que 2 pour Yoga. Donc c'est à mourir. Ouais, mais il ramène rien quoi. Alors là, 4. Waouh. 4. Waouh. Alors, je vais, tant pis, commencer à faire lui. Mise en jeu, blessez un Shiryu de votre main, piochez une carte. Ok. Ensuite, je fais 2, 3, 4, et je soigne. Un Shiryu avec un Shiryu. Voilà. Death Mask du Cancer. Détruire un personnage utilisé pour le combattre. Oula. D'accord. Et Doku de la Balance, arrivé, chaque joueur peut récupérer un héros de sa défausse. Non mais non, j'ai pas de défausse, c'est pas juste. Shiryu double ses valeurs. Oh ! Shiryu double ses valeurs de cosmos et de force si celui-ci est joué aux côtés de Doku de la Balance. Ouh là 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 là, ça serait pour moi ça. Je peux récupérer un héros. Un héros. Ce qui veut dire un chevalier de bronze aussi. Toi, t'as de la défense. T'as pas de défense non plus. Et... Alors. Ça fait. Du coup, t'as plus de défausse non plus, c'est ça? Non. Ok.
Du coup, je crois que je n'avais pas du tout même de défausse. Si t'avais pas pioché tes cartes ? Non, je remets le chéri que j'ai pris et je remets l'ange. Bah ouais, mais je viens de rectifier, donc ça compte pas, alors que ta tricherie de tout à l'heure potentielle. Non, c'était ma... je l'avais acheté cette carte. Ouais, et t'avais dû la mettre comme ça, je l'ai pas récupérée. Je l'ai acheté. Ouais, c'est ça. Le chevalier d'or, je l'ai acheté là-bas. T'as acheté un chevalier d'or ? Non, je l'ai acheté Marine, machin. J'ai dû payer un truc avec et du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas quoi faire. Je peux passer longtemps, on peut pas passer longtemps. Moi je vais défausser ça. Toutes les cartes comme ça sont retirées du terrain puis compléter le terrain. Ah cool. Parce que celle-là, elle était... Non, tu décales pas. Alors on a qui ? Algol de Percé, c'est ça ? Et j'abus de la licorne. Aucun effet d'arrivée ? Non. Ok. Pour 3, 1, 2, 3. Non. Un chevalier d'or, mon petite. Dante de Cerbère, vaincu, piochez une carte de la réserve puis l'ajoutez à votre défausse. Les effets de celle-ci ne sont pas appliqués. Albior de Céphée. Ouais, on dit quelque chose. Shum gagne plus 1 lorsqu'il joue aux côtés d'Albior de Céphée. Défausser et récupérer en main un personnage présent dans votre défausse. Oh vache. Je soigne. Ah bah, il y en a un là encore, même du coup. Soigne pour 1. Il vaut 5 de force, lui. Ou 4 de cosmos. 2. Et 2, 4. Et du coup, je défausse mon armure ou... Oui. Okay. Mais du coup, t'as vu dans l'air. Donc, il fait quoi, lui, quand il joue avec Cham, là ? Défausser, récupérer un personnage en main dans votre défausse. Ok. L'armure, mettre un carreau. Et détruire, placer dans votre défausse une de vos cartes détruites. Non. C'est bon ? C'est bon. Misty du lézard. Chaque joueur détruit un de ses personnages blessés. Chut ! T'as du bol. Alors, défausser, retirer un personnage présent sur le terrain, puis révéler à sa face la première carte de votre machin. Du coup. Je vais retirer oh la vache. Bon, je peux pas prendre lui. Alors, je peux pas prendre lui, donc je défausse. On en met une autre, c'est ça? Ouais. Ah,
tous les joueurs piochent une carte puis soignent tous leurs personnages blessés. Ah, bon, c'est cool ça. Ah ah. Ah ah. Donc lui il est défaussé. Alors, tous les personnages, tac ou tac, elle. J'y ai soit. Alors, j'ai 5 de force. Ou éventuellement 4. Oh là là. Bon, je vais quand même me fighter avec lui, mais ça va me faire du mal, ça. Alors, j'utilise. 1. Donc il est ni vert ni orange. Par contre, lui, il est orange, donc il va être blessé. Lui, il est orange, donc il est blessé. Et elle, il est orange, qui est blessé. Ah non. Ah oui, soignez un de vos personnages blessés quand on le met en jeu. Du coup, je vais soigner celui-ci. Et ensuite, avec mon dernier chiru, je vais soigner elle. Donc, il y a. Voilà. Tac. Et il reste que Ushio de la machin qui est blessé. Ushio de la cloth marine. Chevalier des flammes. Ah, on le voit pas souvent celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas une arrivée là? Non. Mise en jeu, le joueur de votre choix place un de ses héros verts détruits sur sa pioche. Cool. Alors. Il fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si au moins Yoga pioche une carte. Tadam. C'est bon. C'est-à-dire que t'as, t'as 7 cartes dans la main du coup. Hein? T'avais 7 cartes dans la main? Ben j'en avais 5. 6 non, puisqu'il y a eu Agatha. Athéna. Ouais, du coup je le détruis pour le combattre. Voilà. Je le prends, ça c'est fait. Donc. T'as de la défausse toi là? Oui. Échanger un héros de bronze de la défausse d'un joueur avec un de ses héros détruits. Bah j'ai pas de héros de bronze moi. T'as pas? Non, j'ai pas de défausse. Il peut jouer, il le garde. C'est qui? Shiva Dupin. Ah, tu fais quoi lui? 20 cubes, blessés tous les personnages utilisés pour nous combattre possédant du cosmos. Oh la vache. Ah ouais, mais il a 3 en cosmos par contre. Je détruis lui, retire son coup de 2, du coup il passe à 5. Quoi? Je détruis lui, qui réduit son coup de 2. Moins 2. Ouais, mais tu le détruis donc tu n'utilises pas. Oui, enfin, ah oui, mais son coup c'est 9. Hein. C'est 8. C'est 8, c'est 5, ça fait 6. De cosmos. Ah, tu parles du cosmos toi? Du coup. Pour 5, je prends lui que je peux utiliser directement. Ouais. Et lui, il est détruit, c'est ça? Oui. Et pour 6, je prends lui. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ça, c'est à moi, c'est ça. Ok. T'as pris quoi, un chevalier d'or dans l'histoire? Oui, histoire, oui. Ou ah oui, moi aussi, je l'ai compté ou pas? Celui-là, celui à côté. Celui de Mambo. Ouais. Pas le mien, par contre. Algol de Percé.
Il fait quoi déjà, lui ? Blesser tous les personnages verts ou bronze utilisés pour le combattre et armure du scorpion, détruire un personnage blessé. Oh. Ça sert à quoi ? Bah. Ouais, mais de. N'importe qui. De n'importe qui, en fait. Ah, d'accord. Ok. Alors. J'ai potentiellement. 3, 4, 5, 6. Oh. Ouais. Pas terrible tout ça, hein. Elle vaut 3, j'en ai pas assez. Les triangles orange, ça veut dire de bronze. Bronze, ouais. Bronze et de base, vert. De bronze. Si c'est pas précisé héros, si c'est précisé héros, c'est juste les héros de bronze. Si c'est personnage, c'est ou pas précisé, c'est tous les toutes les cartes de bronze. Les cartes orange ou les chevaliers de bronze. Ouais, orange quoi. Mmh. Bah, les orange, t'as les héros et chevaliers. Mmh. T'as les deux. Tu peux piquer ton armure, mais heureusement. Bon, ben, super, quoi. Yahoo. Alors, soit je me fais défoncer tous mes personnages qui ont du cosmos, soit je me fais défoncer tous mes personnages qui sont verts ou bronze utilisés pour le combattre. C'est-à-dire toute ma main. Bah, elle ne fait rien. Ouais, mais bon. Elle fait rien, mais elle fait rien, quoi. Lui, il a 3 quand même, tant pis, je vais prendre 3 de cosmos. Hein. Alors, du coup, blesser tous les personnages utilisés pour le combat possédant du cosmos. Alors. Ah, possédant du cosmos. Donc, lui, il n'en a pas. Hein. Mais non, mais j'ai 1, 2, 3, si, c'est ça. 2, lui, il va être blessé. 3. 4, 5, 6. Bon. Quoi? Ça fait rien, attends, les dalles, Attends. Ah non, c'est Spica, oui. Oh là là. Voilà. Ok. Bon, y a personne qui a voulu d'appeler là. 4 et 5. Agility d'Hercule. Les armures présentes sur le terrain peuvent s'acquérir avec votre rouge pour un coup votre identique force à son coup en bleu. Cosmos. Ouais, si ici combat phénix noir, son coup est réduit de moins 2. Youpi. Bon. Moi j'ai combien là-dedans l'histoire? C'est pas un cheval. Un, deux, trois, quatre. Oui, ça change pas là, c'est toujours quatre. Dio de la mouche, acquérir une armure présente sur le terrain, si tu la détruis. Et Oko, chaque adversaire détruit un chevalier de sa main. Oko ? Ouais. Chaque adversaire détruit un chevalier de sa main ? Ouais. Oh la vache. Non mais c'est... Oui, c'est tu détruit, pas arrivé, hein. Oui.
3, je prends 2 du coup. C'est quoi cet armure déjà? Toutes les cartes vertes, oranges et grises présentes sur le terrain sont retirées du terrain puis complétées le terrain. D'accord. Donc tu veux faire ça là? Ah non. Tu veux juste. Mais non, il ne va pas la défausser. Oui, oui. C'est bon? Alors. Dauphin. Ah oui, il est embêtant lui. Défausser une carte de votre main pour combattre dauphin. Ouais. Astérion des chiens de chasse, regarder la main d'un adversaire puis blesser un personnage de sa main. Pas d'effet d'arrivée du coup. Non. Là, il faut deux en cosmos. Bon, j'ai 3 ou 3, youpi. Oh. Waouh. Mise en jeu et changer les positions de deux cartes présentes sur le terrain. Et celle-là. Du coup, il ne vaut plus que 3, lui. Du coup, je joue ces 3-là. Voilà. Et je pose mon armure. On a Oko à nouveau. Quoi ? Hop là, à toi. Défausser une carte de votre main pour combattre dauphin. Ou pour 3, un dauphin. Ok. À nouveau le chevalier des flammes. À nouveau dauphin. Et Naki du loup. Allez, non. Tu peux pas faire le ménage avec ton armure, hein. Moi. Oui. Chaque adversaire détruit un chevalier de sa main. Je prends quoi? Bon, j'ai pas de spica. Détruit les dents. Détruit un chevalier de sa main. Et je défausse mon armure, j'ai un capricorne pour enlever tout ça. Et les remplacer. C'est les oranges et. Les vertes et grises. Ah bah il y a tout qui s'en va alors. Tac. Détruire. Hein. Tac. Oui. Alors, on a l'armure du bélier. Il est récupéré en un personnage de votre pioche, puis mélangez votre pioche. Un chevalier. On a le chevalier de cristal qu'on a déjà eu. On a Phaéton.
pour détruire un personnage de sa main et piocher deux cartes. On a Moses de la baleine. Je crois qu'on l'a déjà vu, celui-là. Geist, oh, chaque joueur détruit un personnage de sa main. J'ai envie de dire youpi. Et Django. Django, 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 titi. Waouh. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que j'ai encore un Oko dans mon deck. Ah. Lui qui détruit un chevalier. Désolé. Foiré. Je peux pas vous blesser. Bon, je détruis Shaw à la classe céleste. Ah non. Iki, le phénix noir, il ne rapporte pas de PV. Hop là. Donc, voilà. Hein. C'est bon? Qu'est-ce que je vais faire avec deux? Ou deux? Et j'en ai qu'un qui peut être utilisable, on va dire. Bon bah waouh, je prends Phaéton. Youpi. Youpi tralala. Andromède noir. L'armure des Gémeaux. Mise en jeu, échanger l'armure des Gémeaux avec une armure d'or en jeu d'un adversaire. Oh. Et l'autre, il fait quoi là? Si je suis un combat en Andromède noir, c'est pour l'effet du 2-2. C'est un peu. J'ai pas le droit de jouer les armes. Durée réelle de la partie 2 de 4 après coupage 3. Ah non, j'aurais pu prendre une armure si on veut. Ah non, c'est 5. Ah non, alors voilà, 4. C'est pas un peu fort. Moi, vous avez un petit peu. Un dispense comme ça. Si, si, t'as non, elle les a utilisés. On les défausse tout de suite. Ouais, oui, mais c'est comme ça que j'en ai oublié une en fait. Voilà. Et du coup, après. Après celle-là, t'as des fosses à gauche. Il y a quelque chose qui n'y a rien. Je vais poser ça. Et je vais défausser ça. Voilà. Et je garde. C'est bon? Je suis bon. C'est pas brillant. Ah. Aïolia du lion. Il n'y a pas d'effet d'arrivée? Non. C'est fou, hein. J'ai, pas eu, j'ai jamais eu l'occasion d'en choper un. Hein. Je défausse mon arme, je le détruis un peu comme ça. C'est bon. On a Moses de la baleine, on l'a déjà vu celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah bah déjà j'ai Giga là, super. Donc je défausse pour changer un personnage. Comme joueur 3. Oh. Je peux rien faire, c'est super. Bah, défausse lui et tente. T'as rien pour acheter? Non, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Oh, c'est pire. Duo de la mouche. Bon, ben, je vais utiliser mon armure. Détruire ces deux-là pour faire. Voilà. Et ensuite. C'est bon. Voilà, j'ai fini mon tour.
Et nous avons l'armure du Sagittaire. Plus de cartes en main. Voilà. Le terrain, c'est quoi? C'est ça? Oui. C'est un personnage du terrain dans votre défense qui mélange l'armure du Sagittaire à la réserve. À la réserve, elle est là. Ça veut dire que si je l'achète, je peux la jouer et prendre un personnage du terrain? Oui, sauf si tu en, s'il faut que tu détruises un personnage de ta main d'abord. Un personnage de ma main pour deux. Non, mais après ça rapporte du machin. Échanger l'armure des Gémeaux avec une armure d'or en jeu d'un adversaire. Non. Que fais-je? Alors, mise en jeu, piocher une carte, puis défausser une carte. Je peux le faire comme ça? Oui, mais tu veux prendre quoi en fait? Je vais prendre ça. D'accord. Donc je pioche une carte, oui. C'est ça? Et t'en défausses une. Et est-ce que du coup... Oui, bah, désolé, je réfléchis. Hein. Oui, ça sera. Si j'ai un, j'ai deux. Cinq, deux. Il faut que j'en défausse une. Oui. Mais il faut que j'en détruise un si je veux prendre ça. Oui. Et je peux la perdre si je veux plus rien faire. Quoi? Est-ce que je suis obligée de continuer le combat? Attends, c'est quoi ton histoire là? Bah, je voulais prendre ça, mais si je change d'avis, celle-là, je l'ai perdue. Tu la blesses. Je la blesse? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Bonne question. Ah. Bon, je vais défausser celle-là, ça c'est fait. Oui, déjà. Voilà. À votre tour de jeu, vous pouvez jouer autant de cartes personnages de votre main que vous le souhaitez. Un personnage joué est toujours placé face visible près du terrain sous la carte que le joueur tente d'acquérir. Ouais. Voilà. Et si je ne veux plus l'acquérir au final, j'ai perdu cette carte. Ben, mais elle reste là, mais je la récupère après. Quoi. Oui. D'accord. Alors, 3. Elle ne blesse pas? Non. 4, 5, 6. Voilà. T'as défaussé une... Oui, j'ai défaussé une carte. Donc du coup, je peux la jouer. Oui. Si c'est. Et je peux continuer mon combat. Je pense que oui. Si t'as assez pour... C'est du verre, c'est hein, ballot. Ouais. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'elle essaye donc, de nous escroquer. Je sais pas, ça faisait que 4 en fait. Oui. Ah non, c'est ça. La dernière carte du terrain, c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Mais c'est quoi cet escroc, là? Ça fait 3 fois, là, là la carte marine. C'est du marin pouté, là. Ouais. 3. Celle-là, c'est bon, hein, on peut les défausser. Du coup, j'achète celle-là. Non, je vais la garder. Pour un, rien. Voilà. Mais dis donc. Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Alors, nous avons l'armure du Verseau. Défaussez, soignez tous vos chevaliers blessés. Ouh. Et Sirius du Grand Chien, blessé, détruire un de vos héros de base
en main, puis ajoutez à votre défausse un de vos héros de bronze. À toi donc! Pour 1, j'ai la 2 parce que je joue avec lui. Ça fait 4 et un 5. Lequel j'achète? C'est quoi là? Soigner tous vos personnages blessés, il faut le défausser. Donc je le prends en main comme j'ai. Mais attends, je comprends pas trop. T'as pris quoi au départ? Avec tout ça, t'as pris celle qui est là en fait. Ben, mais il est en face, je crois. Il t'a tout acheté. Je n'ai pas détruit, j'ai mal joué. J'aurais pu prendre et l'armure et le machin jaune en fait. Dommage. J'ai perdu 3 points dans l'histoire. Mise en jeu. Mise en jeu, t'es obligé de la placer quelque part. Ouais, mais non, il fallait que je détruise un personnage, mais j'aurais pu le faire. Ça m'a... C'était l'armure que je pensais qu'on détruisait, c'est con. Je me suis fait n'importe quoi. 5. 3, 2, 5, je prends lui. Que je mets dans mon main. Mmh. Ou pas. T'as enlevé, hein. Tu peux la défausser pour le cosmos aussi, si tu veux. Je la défausse pour le cosmos. Enfin, tu la joues aussi pour son cosmos, si tu veux. Si tu voulais prendre celle-là qui est à 5, si t'as assez. Armures dans la main, du coup, je peux pas utiliser les deux cosmos. Ça fait 4, mais ça fait pas assez. Non, mais elle peut pas utiliser deux armures. Ben, si les défausses, il y en a pas, elles restent pas sur le terrain, je pense. Hein. Oui, mais je peux pas utiliser leur cosmos pour. Mais non, il en utilise deux d'un coup. Ah oui, puisque t'es censé la mettre pour. Oui, pardon. Compliqué, hein. Je suis mal joué, je fais n'importe quoi. Celle-là sur le terrain, le reste, je me défausse. Arachné de la Tarentule, Shiva du Pan, Armure du Lion. Pas de, d'effet d'arrivée? Non. Et c'est à moi? Oui. Oh, pas vrai? Oh! Et en plus, j'ai du cosmos, Guillaume. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-là déjà? Échanger l'armure des Gémeaux avec une armure d'or en jeu d'un adversaire. Bon. Elle fait quoi ton armure là? Mise en jeu, détruire un personnage en main, puis placer un personnage du terrain dans votre défausse. Vous pouvez mélanger l'armure de Sagittaire à la réserve. Laissez un défausseur, puis un chevalier. Mon jeu gagne plus 4. Bon, bah pour une fois que j'ai du cosmos, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Tout le reste est au-dessus de mes moyens. Youpi, j'ai pas le choix, faut que je prenne une armure. Je fais si longtemps pour mal jouer en plus quoi. Ouais, mais ben, ça m'a envie d'erreur. Envie d'erreur. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il fallait que je détruise l'armure, mais non, c'était un personnage. Enfin bon, bref, tant pis. Bon, après je détruisais un personnage à deux, donc finalement je gagne qu'un dans l'histoire. Alors, tu détruis l'armure, puisque tu la remets dans la réserve. Ah oui, c'est ça, oui, ah oui. Ah oui, c'est ça. Donc, non, maintenant, en fait, j'ai pas mal joué, alors. Tu l'as dit deux fois. J'ai pas mal joué. Je perdais les 3 points en prenant un personnage. Alors, je vais pour 5 cosmos, prendre cette armure. Oui. Je la joue. Je l'échange contre l'armure d'or d'un autre joueur. Quoi, elle est en jeu, celle-là? Bah oui. Ouais. Ensuite, je détruis un personnage en main. Et placer un personnage du terrain dans votre défausse, puis mélanger l'armure du Sagittaire à la réserve. Donc je vais prendre celui-ci qui vaut 3 et qui je peux vaincre sans du coup tous ses défauts. Et je mélange l'armure du Sagittaire in the packet. Tu reprends tes personnages s'il te plaît? Oui, oui, 2 secondes. Je peux non, pas non, tout de suite. Mais tu te calmes? C'est là? Ouais. Possible ça.
Alors, nous avons Astérion des chiens de chasse. Ok. Et Babel du centaure. Oh. Ok. Et lui, il n'y a pas un effet d'arrivée? Non. Alors, ça fait 3, 4, 5, et après j'ai 3 si je veux la reine, c'est intéressant. Si je prends 5, ça fait 2, 4, 5, et il n'y a rien. 2, 1 et 1. Bon, ben, je vais prendre. Lui là ouais. Ok, c'est bon. Et nous avons Leda. Ah, qui c'est qui a pris ce pika? Tu l'as détruit? Tu l'as détruit. Et moi j'aurais détruit la Leda aussi, donc du coup chaque adversaire détruit un chevalier de sa main. Oh non, mais non, c'est pas juste. Un chevalier en plus. Oui. Oh, t'es pas cool, hein. T'es pas green. T'es pas green. Oh mais non, mais c'est pas cool du tout, là. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais pourquoi tu la joues maintenant là? Je comprends pas. Parce que c'est mon tour. Ah, c'est ton tour? Tu viens pas de jouer? Si, je viens de jouer. Oui. Bah, du coup, et c'est ça fait. Y est, t'as fini? Non, je réfléchis. Bah, j'attends que papa finisse. Pourquoi? Ah, ce qui détruit. Oui. Bah, c'est pas grave, ça n'empêche pas que tu joues. Si. Pourquoi t'en as encore un autre à sortir de Hoko? Non, pas de Hoko. Pourquoi alors? Tu fasses caguer, hein? Qu'est-ce que tu nous sors là? Chaque adversaire défausse un héros de sa main. Un héros? Oui. Des fosses. Ah. Excusez-moi. T'as fait beaucoup bouger ou pas? J'ai fait bouger la table. Mais beaucoup? Non. Non. C'est bon? Ouais, oui. Méchant. Pour 5. Mais tu les joues d'ailleurs ces cartes-là? J'ai détruit, des fossés. D'accord, ouais, c'est tout. Pour 5, je prends ça. C'est bon? Oui. Capella du cocher. Parce que tu regardes à chaque fois. Mais... Et Babel du centaure. Je regarde s'il y a un effet d'arrivée. Bah, j'ai 3 ou 3. J'ai envie de dire youpi tralala. Alors, je vais utiliser. Tant pis. Oh là là, mais elle rapporte rien, Leda. Bah non, elle rapporte qu'avec Spica. Là, c'est marqué détruire un personnage BCM, ça peut être de n'importe qui, du coup. Non, mais c'est vaincu. Oui, enfin, si on... Non, c'est que de toi. C'est de ta main, ouais, je pense. Si c'est pas précisé. Si, c'est non, ordinaire. Non, je pense pas. De quoi? Bah, sinon, il y aurait marqué détruire un des personnages. Un de vos personnages? Voilà. Ouais. Ok, donc je vais essayer d'en soigner là. Oh là là là, mais c'est la misère, hein, c'est la misère. Bon, bah, je soigne un chirmu. Et pour deux, je prends Leda qui va me servir à rien. Aldébaran du taureau gagne plus 2 lorsqu'il combat la première carte du terrain. Pop! Tous
tous les chevaliers d'or retirés du jeu sont mélangés dans la réserve. Youpi. Voilà. 2, 3, et voilà. Popitou. Plus 1 quand tu affrontes la dernière carte du terrain. Ah. 3, 4, 5. Ok. On est déjà qui ? Et Dante de Cerbère. Ah, si tu l'as plusieurs fois déjà qui là, ça compte à chaque fois. Hein. Non, j'ai détruit l'autre. Ah, t'as détruit l'autre ? Bah, vu ta pile, ça vaut peut-être le coup quand même d'en avoir un, non ? 2, 3, 4, 5. Pour 6, je prends. Du coup, il y a une flume qui s'en va. Comme j'ai utilisé le Cosmo, je peux piocher mes cartes. Oui. Oui. Bon, ton fils a gagné là, je crois. Il a je sais pas combien d'armures d'or, je sais pas combien de. Ouais, puis moi j'ai que des combinaisons. C'est un pour un. Et pour. Lui, avec lui, je mélange les cartes de moi des fausses avec mes pioches. Et pour 6, je prends détruire un personnage blessé, mais du coup, je sais pas. Bah lui, il rapporte un PV, hein, et lui, il rapporte un. Hein. Ouais. Donc lui. Merci, non, je vais pas utiliser pour. T'avais dit que ça va coûter 6. 3, 2, 1, 6. Et c'est les dessins que j'ai utilisés. Ah, les rouges. Oui. Et ça te coûtait quelque chose de moins ? Non. Là, ça fait 3 et 3, 6. Ah, c'est pas celle-là que t'as acheté, c'est celle-là. Oui. Pardon, je suis là. Là, c'est inquiétant. Ouais, ouais. Je suis réveillée depuis 3 heures du matin. Ah. Alors, dragon noir. Alors, un Camus du Verseau qui va avec Yoga, qui peut acquérir Camus du... Quoi ? Oula. Yoga peut acquérir Camus du Verseau pour un coût de 8 en cosmos. Yahoo ! Et enfin, arriver, si un autre chevalier d'or est présent sur le terrain, retirer une flamme. Okay. C'est le cas. Donc après, c'est deux chevaliers d'or, ce sera fini. Oui, bah, ouais. De toute façon, c'est clair. C'est à moi. Ouais. Alors. De crier. Ouais. J'ai 2 de cosmos et 4 de force. Je suis quota. Hein. Alors, je vais pour 3. 3 ou 4. Bah, dis non. Soit j'achète une carte qui vaut aucun point de machin, soit j'achète lui. Alors je vais acheter lui pour 3 du coup. Ensuite je vais juste jouer mon armure. Voilà, tac, et voilà pour ce tour magnifique. On a fait l'arrivée de 2, 3, 4. Et 5. C'est quoi la réserve, c'est ça ? Oui. Ben pour 1, 2, 3, 4, 5, je prends ça. Et je peux piocher une carte de la réserve. C'est ça ? Alors, tu as votre défense, oui. Qui n'est pas.
peut-être pas celui-là. Ah, et en plus, il était embêtant de lui apprendre, non ? Oui, ne peut être combattu que par au moins 3 personnages. Ouais. Il rapporte pas grand-chose. Il vaut que 1. J'aurais pas pu avoir ça, sans déconner. Eh, à une près, là. Attends. Oh, bah tiens, re. Giga. Le joueur actif place Giga dans la défausse du joueur de son choix. Ah, j'en ai un, moi, déjà. Merci. De toute façon, avant que je le joue. Et il rapporte moins 1, en plus. Hein. Oh. Pour 2 et 4, je prends... Ça fait quoi ? Ça fait 3, 4, 6, ouais. Donc tu peux l'utiliser plus de suite. Alors ça fait une en moins. Ça, tu peux le défausser. T'arrêtes, ouais, tu prends tous les chevaliers d'or. Et le dernier, du coup lui il a 3 de cosmos. Hein ? Il a 3 de cosmos parce qu'il gagne plus 1 pour chaque chevalier d'or sur le terrain. D'accord. 2, ça fait 5. Donc tu reprends la main, voilà. Que tu peux mettre directement dans ta main. Là, bon, tu peux en acheter avec. Oh, c'est mal. Tu peux la jouer. Non, sans rien. Des choses plus. Ok. Oh, Stam, oui. Stam, oui. Qui c'est qui a fait le ménage, là ? C'est moi. C'est lui. Un chevalier d'or du Gémeaux. Ensuite, Shena Dofiuchus. Bah là, c'est le dernier tour, de toute façon. Arrivé, tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. Ok, tout va bien. De toute façon, il sort et c'est fini. Oui, c'est moi qui ai commencé. Je peux finir. Non, mais je joue pas. Oui. C'est pas peine que je réfléchisse. Non. Ensuite, un autre chevalier d'or. Ok. Ok. Et Cassios. Youpi. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Pour l'instant, j'ai 5. Tu fais rien détruire ? Tu peux compter mieux quoi ? Ouais. Ah, j'ai 5 de cosmos. T'as plus de 6. Non, t'en as fait... t'en as pas fait beaucoup déjà. 4. 6. 3. Qu'est-ce que je fais ? Je tente le tout pour le tout ou... Et elle, c'est quoi ? Plus 1 PV si vous êtes le joueur possédant le plus chevalier d'argent dans votre deck. Ah ouais. Donc c'est 4 de cosmos. Ah bah ouais, bah je peux la prendre du coup. Donc je prends elle. Voilà. Je peux l'utiliser. Et j'ai 4 de... J'ai 4. Il fait quoi ? Hein, pour au moins 3. Voilà. Tac, tac, tac. Et du coup, je soigne, même si on s'en fout. Je soigne mon chevalier. Voilà. J'ai envie de dire, et youpi. Faut compter combien vous avez de héros et de chevaliers, du coup. 48 points. Oh ! 43 quand même ! Faut compter quoi, du coup ? Le nombre de chevaliers et le nombre de héros. Pourquoi ? Bah toi, t'as plus 1 pour le nombre de chevaliers, moi j'ai plus 1 pour le nombre de héros. Ouais, mais chevalier d'argent, moi. Oui, et ben. Et toi, c'est les chevaliers de quoi qu'il faut compter ? Non, moi c'est les héros. Pourquoi tu dis chevalier alors ? Pour papa. Mais c'est pas n'importe quel chevalier, c'est que les chevaliers d'argent. Oui. Ah, il faut compter quoi, du coup ? Chevalier d'argent et héros. D'accord. Attends, je l'ai prise, moi ? Elle est où ? Ah oui. Alors. J'ai 4 héros. Et 4 chevaliers marrants. 7 chevaliers. C'est moi. C'est moi ? Ouais, alors ça fait 4. 7. 11, 13. J'ai 4 héros aussi. Ah. Oh, je suis contente, je suis pas trop loin de toi quand même. Malgré tout ce que t'as pris,
Vers la fin, j'ai pas eu de. J'ai pas eu de chance de. Qu'est-ce qu'il faut faire là? 54. On y croit? Ouais, j'ai 26. Mais t'avais pas compté toi? Yes. Ah si, t'as compté. Bon, bah voilà, c'est fini. C'était un peu long. Au montage, il n'y aura pas de E et de temps de réflexion de 3 quarts d'heure. Voilà, j'espère que ça vous a un peu montré le jeu. Et puis. Combien t'as de chevaliers d'or toi? J'ai 8 cartes d'or. Donc... J'en ai 3. Eh, j'en ai que 3, t'en as 8 quand même. Je trouve que je ne me suis pas trop bien mal débrouillée dans les points au final. J'en ai 3 chevaliers d'or aussi. Oui, mais un truc avec plein d'armure, ouais. À 3, ça va vite. J'ai pas pu prendre.